Jack is seeing the world in a way I have never seen it. Maybe that experience has influenced the way I want people to see the artist as an activator in society. Quand j'avais 8 ans, mon oncle, Victor, m'emmenait dans l'atelier du peintre Jack Yates à Dublin. Et je me souviens qu'il travaillait en fait sur un tableau où on voyait des chevaux, trois chevaux qui sortaient de la mer. Et je me suis dit, c'est prodigieux. L'artiste peut inventer sa propre idée du monde et il peut proposer une vérité qui est unique, qui est le seul à avoir vu. Et donc le peintre voyait le monde d'une façon que je n'avais jamais vu personnellement. Et peut-être que cette expérience a influencé la façon, ma façon de penser, où je veux que l'on voit l'artiste comme une sorte d'activateur dans la société. Media seems to be at a special advantage in this moment. Mass media may be the closest thing we have to a universal religion. It has replaced belief with constant consumerist prayers. Buy this object, buy this idea. With any form of media, we have a model of something before we have the reality. The conceptual mind allows for a large use of artificial intelligence. We can propose concepts in our mind as intellectual models and use our mind to reify their effectiveness before we proceed to make them real. Les médias occupent une position vraiment privilégiée en ce moment. On pourrait dire que les médias de masse sont ce qui ressemble le plus à une religion universelle, la croyance avec qui exprime un certain nombre qui s'exprime à travers des prières consuméristes. Hein, acheter cet objet ou adopter cette idée, etc. Mais avec n'importe quelle forme de média ou d'expression, on peut avoir, on peut créer dans son esprit un modèle ou une maquette de quelque chose avant de le voir en réel. Et l'esprit conceptuel hein, permet également l'utilisation d'une utilisation très large d'intelligence artificielle. Et on peut proposer, on peut imaginer, comme je disais, des concepts dans notre esprit, comme des sortes de modèles intellectuels, des maquettes intellectuelles, et utiliser notre esprit pour chosifier l'efficacité de ce modèle avant de les rendre réels. Since the invention of the computer and media, no one would dream of making a three-dimensional model of anything before they had made a two-dimensional model on the computer, which is to say that media has changed the way we think about art. It has changed the art thinking process to the point where we are capable of generating models in our mind and of our own mind. Depuis l'invention de l'ordinateur et des médias, personne n'aurait l'idée de créer une maquette en trois dimensions de quelque chose avant d'avoir fait une version en deux dimensions sur un ordinateur. Ça signifie que les médias ont véritablement changé la façon dont nous pensons l'art et il a également changer le processus de réflexion artistique et nous amener à un point où on est capable de générer des modèles dans notre esprit et de notre esprit. We only have to invent the language capable of being the sub-carriers for these models. It is always true that we are lost until we find the right language. Once we find the language, then we know exactly where to go. More than anything else, that's what media does best. Media provides the language. Media's language forms our reality. It becomes our truth. It makes everything go faster. Without media's language, we wouldn't be able to survive this compression of time.